J'y ai bien réfléchi. Si ça se trouve, c'est moi l'enfant. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Qu'est-ce qu'il vous faut, enfant de dragon? Delphine! Oh! Oh, comme c'est bon de vous revoir! Ça fait longtemps. Contente de vous voir, Tefferne. Cela faisait longtemps, mon ami. Trop longtemps. Parfait. Vous avez réussi, il ne vous est rien arrivé. Venez, je connais un endroit où nous pourrons parler. Orknar, occupe-toi du bar une minute, tu veux bien? Oui, bien sûr. Par ici. Cela change tout, bien évidemment. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons localiser. Je vais vous montrer. Je suis sûr de l'avoir par ici. Esbern, qu'est-ce que... Tenez-moi juste un instant. Ah, le voilà. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez, juste là, le temple d'Arbre-Ciel, construit près de l'un des principaux camps militaires à Cavirois de la Crotte. Pendant leur conquête de bord de ciel. Vous comprenez de quoi il parle? Le mur d'Alduin est l'une des gloires perdues des lames. Ils y ont inscrit tout ce qu'ils savaient d'Alduin et de son retour, mêlant histoire et prophétie. Son emplacement était perdu depuis des siècles. Mais je l'ai retrouvé. Il n'était donc pas perdu, juste oublié. Les archives des lames contiennent tant de secrets. Je n'ai pu en sauver qu'une infime partie. Exactement. Enfin, je crois. C'est sans aucun doute notre meilleur espoir. Les lames ont conservé de nombreuses informations acaviroises maintenant oubliées. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Il se trouve dans le temple d'Avreciel, un ancien sanctuaire des lames dissimulé dans les rochers de la crevasse. C'est là que nous trouverons le mur d'Alduin. Donc, vous pensez que le mur d'Alduin nous apprendra comment vaincre Alduin? Eh bien, oui, c'est possible. Nous n'en serons sûrs qu'après l'avoir trouvé. Alors en route pour le temple d'Avreciel. Je savais que vous auriez quelque chose pour nous, Esbern. Je connais la région de la crevasse dont parle Esbern. Près de ce qui s'appelle aujourd'hui Kartsim, dans les gorges de la Karth. On peut se retrouver là-bas, ou voyager tous ensemble, comme vous voulez. De Rivebois, la route sud qui traverse Épervine est le chemin le plus direct. Vous pouvez aussi prendre une voiture de Blancherive à Markarth et arriver par l'ouest. De toute façon, la crevasse est une terre dangereuse par les temps qui courent. Les parjures sont partout. Soyez sur vos gardes. Toujours prête. En route pour le temple d'Avreciel.
Allez, donnez-moi vos objets de valeur ou je vous étripe comme un poulet. Alors ce seront vos dernières paroles, imbécile. Par les dieux, non! Thank you.
Celui-là est à moi. D'autrefois, semble-t-il. Ces piliers, ils sont sûrement pour quelque chose. Oui, et ce sont des symboles à Cavirois. Voyons, il y a le symbole du roi et du guerrier. Et bien sûr, le symbole de l'enfant de dragon. Il est reconnaissable par cette espèce de flèche pointant vers le sol. Oui, c'est ça. Le symbole du pilier central. Puisque le temple d'Avreciel a été scellé pour empêcher le retour de l'enfant de dragon, je tenterai bien de tourner tous les piliers vers ce symbole.
que vous ayez fait, ça a marché. Voyons ce que les lames d'autrefois ont laissé sur vous. Remarquablement conservé. Ah, voilà le sceau hématique. Un nouvel exemple d'Arakavirois. Il s'ouvre normalement avec, eh bien, du sang. Votre sang, enfant de dragon. Regardez-moi ça. Voyez comme les lames vénéraient Raymond le Cyrodiil. Impossible de savoir ce que nous pourrions.
encore là. Je suis à votre service. Alors allons. Je suis sur vos talons. Je suis à votre service. Passez devant. Pourquoi tant d'empressement ? Regardez, voilà Alduin. Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel. Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. La défaite d'Alduin est la pièce centrale du mur. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, ou maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors, est-ce que ça prouve qu'ils l'ont vaincu? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Patience, très chère. Les Akavirois n'étaient pas des plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. Oui, oui. Ces vrilles sortant de la bouche des héros nordiques, c'est ainsi que les Akavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin? C'est certain? Ah oui. Il n'aurait sans doute pas donné autant de relief au cri s'il n'était pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel? Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Si on les laissait faire, vous resteriez le derrière sur la montagne, à vous adresser au ciel en leur compagnie, ou je ne sais quoi encore. Les grises barbes ont tellement peur du pouvoir qu'ils ne l'utiliseront pas. Réfléchissez. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour arrêter la guerre civile, ou pour s'occuper d'Alduin? Non. Et ils ont peur de vous, et de votre pouvoir. Croyez-moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pensez à Tiber Septime. Vous pensez qu'il aurait fondé l'Empire s'il avait écouté les Grises Barbes? Tant mieux. Les Grises Barbes ont beaucoup de choses à vous apprendre. Mais ne les laissez pas vous détourner de votre destin. Vous êtes l'enfant de Dragon, et il n'y a que vous qui puissiez éliminer Alduin. Ne l'oubliez pas. Bien. C'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi, Westberg. Nous allons inspecter le temple d'Avre-Ciel pour voir ce que les lames d'autrefois ont laissé pour nous. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure cachette. Que Talos vous protège. Ici, sur le troisième panneau. La prophétie ayant au départ conduit les Akavirois en port de ciel à la recherche de l'enfant de dragon. Là, ce sont les Akavirois, les lames. On remarque leurs longues épées distinctives. Ils s'agenouillent maintenant, car leur mission est terminée. Le dernier enfant de dragon élimine Alduin lors de la fin des temps.
Vous écoutez, Delphine? Vous pourriez bien apprendre quelque chose. Bah... Je connais la prophétie par cœur. Autrefois, tous les lames la connaissaient. Lorsque le triplement béni échoue et que la tour rouge...